Oui, je pense que j'ai déjà essayé le Happy Gilmore probablement quand j'avais 13-14 ans, puis ça a du bien été. Je pense que oui. Je l'ai déjà fait en tournoi. C'était pas la meilleure idée, mais je l'ai fait en tournoi, puis je peux te dire qu'elle était loin dans le centre. En pratique, ça a été mal. Je crois que je l'ai frappé bien une fois sur 100, mais cette fois-ci, elle est allée vraiment. Plusieurs fois. Souvent, c'est le résultat, c'est un beau petit top, mais quand tu la frappes bien, elle va loin. Ça a fait une grosse slice, là, ça, dans le bois, mais pas si peu. Ça fait longtemps, par contre, mais c'est surprenant. Sauf que, avec un autre bâton, c'est mon bois, je tiens trop. Oui, la première fois, super bien. J'ai frappé très loin. Et mon collègue Pierre-Luc Bergeron a complètement raté son coup. Ouais, j'ai déjà essayé, puis ça n'a pas très bien été. En fait, je l'ai topé, fait que ça n'a pas été très concluant. Oui, c'est ça. J'ai essayé souvent, puis déjà arrivé même que je faille un bâton. Puis, il est mal poigné, fait que ça poignait sa tige.